obligatoirement l'étendre que parlement prononcé pour le bail des charges ou non avant même que mon cadi ministre ça il va le faire prison. Non. Non, parce qu'on va quitter mon dans deuxième phase là ou dans quatre là. Pas oublier m'dou parce que parallèlement à quatre là, m'va le boyon qui fait cinquième dans pour de compte, m'va le bon neuf là qui va concerner bail ça même. Ça dépend de qui ça reproche ministre là. Ou ven, qui te m'y fait ça pour comprendre. Pour quatre infractions, ça yo, si c'est un ministre, faut que tant de parlement refuse le décharge pour faire poursuite contre lui pour faire ça yo. Et si parlement bal décharge? Bal de vinsou, bal de vinsou, bal de vinsou. Si parlement bal décharge pour faire ça yo, pas poursuivre lui, pour faire ça yo. Okay. Pour quatre infractions, ça. Comment bien? L'autre infraction concernée par quoi? C'est ça où elle est, la faute de gestion. La faute de gestion sont différences liées à ça. Ça, automatiquement, il y a une responsabilité pénale ou civile qui est engagée, notamment dans la restitution des fonds détournés, amende à payer. Tandis que la faute de gestion, ça relevait de la compétence, je dirais presque exclusive de la Cour des comptes, qui lui-même sanctionnait, qui engageait responsabilité pécuniaire et personnelle de l'ordonnateur ou du comptable public. Sans que, il n'y ait pas exclu possibilité pourquoi transférer quand même, arrêt de la prédiction, arrêt de débat, dans le cas de faute de gestion, hein, baille la justice pour les suites. Ouais, la différence, il y a une quatre premières infractions, ça, et la faute de gestion qui fait cinq infractions qui relevaient de la compétence de la Cour des comptes, les la juger, les comptes des administrateurs, les comptes des ordonnateurs, des comptables. À part infraction, ça, toute l'autre infraction de corruption, tant qu'on la surfacturation, tant qu'on l'abus de fonction, tant qu'au l'enrichissement illicite, tant qu'au passation illégale de marché public, tant qu'au pot de vin, tant qu'au commission illicite, depuis yon joint yon moun, yon ministre, yon directeur général, yon secrétaire d'État, responsable de faute sa yo, ça pas garde coup de compte, yon pas besoin d'arrêter ben pour ça, c'est procès tout de suite, c'est enquête tout de suite, c'est arrestation tout de suite, c'est bloquer fonds tout de suite, c'est mesures conservatoires tout de suite. C'est ça qui me relève le grand procès Petro-Caribé. C'est-à-dire que toute infraction nous dit là, yo, qui pas concerné les infractions qui relèvent de la compétence de la Cour des comptes, il faut que le procès fait pour vous tout de suite. Et le procès, ça, c'est capable un grand procès Petro-Caribé qui concerne tout type d'infractions de corruption, qui me sont cité là, yo, tant qu'on passation illégale de marché public, tant qu'on délit d'initié, tant qu'on abus de fonction, etc. Donc, ministre qui attend arrêt, attend décision au Parlement pour faute de gestion, pour détournement fonds publics, pour vol, ça c'est un procès pour qui est obligé d'attendre. Mais toute l'autre infraction qui pas concerné, cinq infractions, je dis là, pas gain pour tendre Parlement pas concerné, pas yo. Est-ce que ça veut dire que je vais en parler là? Et grand ensemble de monde que je croise dans la rue là, en principe, tu as supposé en dedans. Si l'instruction est faite normalement, nous venons de ça, oui, dans la bonne. Si l'instruction est faite normalement depuis deux ans, bon, instruction est faite, vous voyez toutes les autres qui ont fait dans le pays, et tout le monde, il y a plus inacceptable. Qui ça que jusqu'à présent, juge la pour un mandat de dépôt, par un monde arrêté, par un mandat d'amener, on va dire inacceptable. Ok, qui sont pensés de monde qui croit que, même là on a parlé de procès à lui-même, on parlait qui sont un gros procès, qui pensait que c'est un tout. Il y a des gens qui pensaient que c'est un tout. Il faut nous annoncer le grand procès de Petro-Caribé. Mais il y a d'autres personnes qui dit nous avons pris un bagaille au cas par cas. Non, il y a des bagailles. Tout le monde a raison. Tout dégueulasse. Première année, vous nous dites qu'il faut le faire tout de suite là. Ça veut dire que c'est grand procès. Grand procès a concerné tout
tout le monde qui fait facture et sous facturation, tout le monde qui fait passation illégale de marché, tout ça son grand procès qu'a fait tout de suite. Kabaka, c'est dans le monde qui va le temps d'arrêter de bébé. Parce que c'est Kabaka les Saïwaliers, c'est chaque monde qui est jugé contre lui. Parce que ça va arriver. Là, par exemple, ou ton directeur général, ou ton comptable public, ou ton secrétaire d'État, ou ton questeur de la chambre, ou t'es un président de la chambre, et pour gérer un fonds Petro-Caribé dans le rapport, où tu fais tel des zones. Pourquoi juger contre ou renouer arrêt contre ou pour ces Petro-Caribé, rapport sur Petro-Caribé va suffire? Parce que ce n'est pas seul fond ça ou dégéré, ou dégéré l'autre fond. C'est ça nous est l'audit complémentaire. Il faut la l'auditer. C'est pas étant par exemple, et dans le rapport 2A, qu'on dit par exemple, gain fonds Petro-Caribé qui était dépensé mal dans la Chambre des députés, dans le Sénat. Et puis il dit, mais qui est responsable? Il dit, change de châssis. Il dit, dérange celle-ci. Bon, vous comprenez? Mais quoi? Pas à juger contre moun sa yo sans le pas le faire audit dans la chambre des députés à complet, sans le pas le faire audit complet dans le Sénat. Il dit, vous comprenez, vous avez plusieurs exemples. Donc, il faut s'enrêler les audits complémentaires. L'elfine fait audit sa yo, la juger contre moun sa yo, la prononcer arrêt de débat yo. Et c'est au cas par cas, on va le faire des procès pour moun sa yo qui gagne la dan yo tout dossier Petro-Caribé. Donc, moun qui dit cas par cas, c'est ça le dit. Il dit que, à côté du grand procès Petro-Caribé, il y aura d'autres procès Petro-Caribé pour des gestionnaires des fonds publics, mais au cas par cas. C'est exactement ça. Tout le monde a raison. Pour moi, par exemple, qui était ministre, parce que je cherche compréhension au public. Pour moi, qui était ministre, il y a des charges. Oui. Ça veut dire que l'IPA n'a dit exempt de. En quelle autre sanction, il n'est pas exempt. Non. Yeah. Décharge la concernée, pas oublier, 5 infractions. Qui ont élevé de la ligne de la compétence. Qui avec là, qui capitalisé sous décharge. Non, il n'est pas capable. Qui m'explique pour bien comprendre, Valérie. Si vous avez un ministre, dans la gestion, coup des comptes, dit que gestion t'es bon. Supposez que dans le bureau où t'es bas au secrétaire en calotte, vous avez compté combien de vous ça? Oui ou non? Non. Eh bien, ça, c'est une question qui concerne une infraction qu'on fait dans l'exercice de votre fonction qui ne relève pas, qui relève de l'autre tribunal. Exact. Supposez que vous t'es pris comme un battable, le pot de vin, ça relève de la Cour des comptes? Non. Cour des comptes compétent. Pour le vol, pour le détournement de fonds, pour la malversation, pour faute de gestion, pour concussion. Il n'est pas compétent pour pot de vin. Donc, si vous prenez pot de vin, dans mon exemple, ou vous faites délit d'initié, ou c'est ministre travaux publics, par exemple, Valérie, moi-même, c'est ingénieur, c'est 100 millions. Voilà que vous projet pas le fait dans la zone Cabéré. Et pour bon document, projet A, pour me participer dans l'appel d'offres. Favoriser ça. Me participer moins gagner, m'exécuter projet normal. Coup de compte comme ça. Ça c'est le délit d'initié. Je découvre me faire ça. Même si je fais bien travail. Parce que je dois faire délit d'initié. OK. Parce que pour que ça ou me souhaiter bien travail parce que ou violer le principe de la libre concurrence. Oui. Parce que les gens qui ont peut-être gagné à meilleur prix, meilleur travail, ou empêcher l'État de faire ça. Il faut plus nous pour ça. Même lorsqu'il y a des charges pour 5 infractions, je ne parle pas, mais pour délit d'initié à part le fait de la compétence de la Cour des comptes, mais bien du tribunal de droit commun, je vous en pour vous faire, vous faites. Donc, ministre qui a des charges là, il y a des charges, il y a des supports, il y a des parlements, ou bien il y a des rapports favorables de la Cour des comptes. C'est pour les 5 infractions qui relèvent de la compétence de la Cour des comptes. Un dit cas de corruption, ça y est, à savoir pour de vin, délit d'initié, passation illégale du marché public, etc. Un dit pour de vin avec délit d'initié. Qu'est-ce qu'elle va le dénoncer? Non! Tenez-moi. Premièrement, vous cherchez à comprendre, c'est. L'existence de l'infraction et possibilité qu'il y ait sanctionné les gens pour lui.
Comment l'établir, c'est la preuve. Ça, c'est autre chose. Nous parlons l'État qui a fait abus. A dit pour juger mon nom, il faut qu'on établisse qu'il a fait pareil là. A dit commissaire gouvernement qui a poursuivi la moun, il faut juger des sujets qui sont menés en enquête là. Il faut venir à preuve. Il faut qu'on arrête mon nom. Il faut venir à preuve que mon nom a fait ça. Il faut qu'on a fait preuve. Sauf, dans le cas d'enrichissement illicite, où le fardeau de la preuve est renversé, laisse à ces moun qui étaient dans l'administration de l'État. Et puis, ils ont gardé, ils ont constaté que il y a une évolution dans la situation financière, économique, train de ville, qui ne correspondent pas à revenus légitimes. Et puis, ils ont décidé que les gens poursuivent pour enrichissement illicite. C'est lui qui pouvait prouver que les pas enrichissement illicite et que les revenus légitimes, ce n'est pas à l'État de prouver. Mais dans l'autre, tout autre cas, c'est l'État qui vous prouve ça. Par exemple, l'enrichissement illicite là, et c'est ça, moi, c'est que ça travaille, ça a été fait déjà, oui, mais couler contre attirer l'attention sur ça, je pense qu'il faut le faire. Faut que l'ULCC, par exemple, te garde déclaration patrimoine, tout gestionnaire de l'État qui était dans le fonds Pétro-Caribé. Pour garder, est-ce que vous avez fait déclaration à temps? Est-ce que déclaration est conforme à revenu, à niveau de vie, si des inexactitudes pour soumettre, ben, juge d'instruction en charge du dossier. C'est pour l'effraction enrichissement illicite. C'est après quoi dit, dans le rapport là, il y a des effractions qui sont capables d'établir facilement par d'autres institutions comme l'ULCC, comme l'UCREF. Quoi dit ça? Vous comprenez? Donc, il y a des effractions qu'on fait. Le fait qu'on obtenu des charges là, pas effacer. Parce que c'est des infractions qui ne pas relever des mouns qui t'a fatalisé gestion, les tabous des charges là. Quand il y a bon des cas spécifiques que de travail sur yo que qui dans tête moi. On dit par exemple ma preuve 25 stade de la moto. Oui. OK. On dit ou prend on a qui te gain un film d'exécution. Oui. Il dit yo ballon contrat 10 millions de dollars pour un petit stade. Un petit stade. Et puis en réalité yo kembe même monsieur casser même monsieur yo prend 6 là dedans c'est toi ou bas monsieur. Oui. On a regardé des chaînes de responsabilité sur le plan pénal par exemple. On regarde combien de monde qui camarer dans un cas comme ça. Donc cas comme ça. OK. Et bon intéressant une bail ça et que on va pouvoir que quoi rendre dans dossier obligé matelier. Donc plein monde va parler. Donc bail comme ça. Premièrement, faut regarder 10 millions de dollars combien goutte il était faire dans moment contrat. Oui. Converti en goutte. Regardez si il était dépassé seuil marché public là dans l'époque là. Supposez que son bagage qui était fait ben, la moto fait en 2012-2013. Et seuil là qui était monté à 40 millions de gouttes. Il monté à 40 millions de gouttes moins quoi en 2012. En 2012. Donc ça qui fait avant 2011 etc. Et ça qui fait après arrêté à c'est 40 millions. Avant c'est 8 millions, après c'est 40 millions. Ouais. 10 millions de il quittait 40 millions, clair. Il était dans l'époque là. Oui, il quittait. Il quittait 40 millions. Oui. Faut que tu gagnes appel d'offre. Ouais. Qu'on y a selon type de stade où tu fais appel d'offre là, tu as ouvert, tu as registré, mais appel d'offre quand même. Ouais. On a pris la garde fois auprès de Nexa. Est-ce que tu as un contrat gré à gré? Okay. Si tu as un contrat gré à gré, ça veut dire que monsieur déjà lui-même problème. Coupable de passation illégale de marché public. Okay. Toi, 9 ans en prison. Passation illégale. Moun qui baille marché, qui attribue là, il est supposé sanctionner. Moun qui approuve là, par exemple, dans le cas de sa stadio, tu as gagné un ministère pour opération. Et qui était approuvé. C'était Olivier qui a fait, mais approuvé des pensions, c'est le ministère européen. Le ministre qui a approuvé là, il est supposé sanctionner. Donc tout film qui est exécuté, il est supposé sanctionner. Qu'on y a, coup d'un contre le rapport de Doula, dit que pour responsabilité, on est engagé dans la dépense de l'État. Ou pas besoin de dépenser comme là. Mais si vous avez influence dans le choix des firmes, etc. Dans le choix moun qui pouvait exécution yo ou supposé sanctionner tout. C'est pour ça que vous refusez Olivier Matéli des charges là.
Le quoi dit, monsieur était une influence dans le choix. Il n'y a pas qu'à venir dire là. Parce qu'une fois, Olivier dit, il va t'abjurer. Ah, mais quoi dit non. Quoi dit, quoi il me connaît. Quoi dit, hein? Mais lui-même, il conteste. Non, j'ai avocat, il s'est dit comme défense devant quoi. Il dit, il va t'abjurer le fond. Il va signer un chèque. Il va donner la tête. Il va être comptable. Quoi dit non. Ça ne suffit pas. Parce que sous tes influences. Qui j'en qu'à justifier et prouver influence là. Eh bien, ça va pas le prouver. C'est juge-là. Comment dire, le rapport de m'établir preuve, moi, je regarde précisément avant. Établir preuve, c'est le rôle du commissaire du gouvernement, le rôle, n'est-ce pas, d'un cas des charges là de la Cour des comptes, le rôle, n'est-ce pas, du juge d'instruction pour rassembler. Mais je regarde précisément avant. Vous comprenez? Donc, ouais, tout le monde sait, par exemple, yo bon contrat pour 10 millions, yo lagé 3 millions dans mais on. Et moun qui gagne 7 millions et pour devenir lié, son acte de corruption qui pas relevé de la compétence de la Cour des comptes. Qui son acte de corruption qui fait pour la devant le tribunal de droit romain. Ou même qui accepte 3 millions alors que le contrat était 10 millions. C'est en connaissance de cause qu'on accepte. Ou entre volontairement dans acte de corruption. Ouais. Et pour, ou pas dire parce que tu as besoin de travail, parce que film ou t'as écrasé, ou pas pris le choix, on va dire ça, non? Mm-hmm. Ou supposé sanctionner tout. Donc tout ensemble de Mounsayo pral fait l'objet en deuxième cas, de sanctions. Oui. En deuxième cas, mm-hmm. Et marché poisson, la quantité d'argent qui est décaissé par rapport à travail qui fait, ou est bagarre pour ou avec travail, yo, détournement de fonds, responsabilité, oui, détournement de fonds. A dire que si me dépensez comme. Car il y a plusieurs infractions dans le cas là. Un, si je fais marché, je fais appel d'offres, je fais évaluation des besoins, je fais un plan d'exécution, c'est sous base ça, je fais appel là, je dis mes projets, mais comment le prêt? Je fais mon trop projet avant de commencer le sur ordinateur. Tout à fait. Et là, il finit pour parler de même genre. Oui, oui. Je veux dire, on fait faire en 4D même. Oui. Présenter le réel. Réel. On va me montrer mon chita en marché. Donc, il faut que tu aies un premier travail ça. Si ça travaille ça, pas fait déjà. Et puis, ou elle fait passation de marché ou on pas fait passation de marché, déjà tu as gagné en passation illégale de marché. Mm-hmm. Mais maintenant, si Cobla sorti, au lieu de prendre Cobla pour faire travail marché au fond l'autre bagarre ou faire détournement au fond l'autre infraction. Mm-hmm. Ou fin faire passation illégale là qu'on a fait et détournement de fonds. Ou car il a considéré qu'on fait abus de fonction parce qu'on exerce autorité pour bailler des avantages à des mouns en violation de la loi. Et les abus de fonction sont l'autre infraction liée. Ouais. Vous voyez? Donc, là, ça, ou car on ensemble plusieurs infractions qui concernaient le même projet. Mm-hmm. Ok? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas, côté que, dans le cas, ça, par exemple, il y a une quantité de monde qui est impliqué en même temps. En même temps. Mm-hmm. Et non seulement en plus, mais en même temps, il y a des infractions qui ne peuvent pas vous suivre sans coup de compte. Il y a des infractions qui ne peuvent pas vous suivre sans coup de compte. On peut rire ça. Par exemple, il y a une vidéo qui a été draguée Béa. Oui. Et déjà, on a parlé de l'appel d'offre là. Il y a pas fait. Il y a fait le gré. Ok, d'accord. Il y a déjà une passation illégale là. Ok. Qu'on y a, et moun qui dit, pas même coup de pelle fait là. Très bien. Qu'on y a, qui ça comme là le fait? Si comme là, ils font l'autre travail, ils ont été prendre la main pour faire l'autre travail au profit de l'État, c'est détournement. Si le travail n'a pas fait du tout, c'est le vol. Okay. C'est le vol. Ils sont l'autre infraction. En plus de passation illégale, bah, mon prend comme là dans la main, le travail n'a pas fait, c'est vol. Mm-hmm. Donc, Mounsa va le juger pour plusieurs infractions. Plusieurs infractions. Okay. Tonya! Ministre qui va être comme là. Parce que pas oublier, comptable public qui fait des questions au fait, tout le monde sait, pral gain pour vol là, pour passer soit devant la Cour des comptes, pour juger contre eux, pour vol là, ou bien devant le Parlement. Parce que qui s'arrive? Pourquoi ça, tout bagaille ça, possible dans le Pétro-Caribéen? C'est parce que le système de contrôle des dépenses de l'État, des recettes des dépenses de l'État, n'est pas respecté. Parce que qui ça prévoit? Ça, la loi prévoit. C'est que, au grand système de contrôle interne et externe, a priori et a posteriori. Si le système
système ça a bien huilé, il a bien marché, il est impossible pour te gagner gagot Petro-Caribe. Absolument impossible. Oui, mais yo même yo dit que chaque année yo fait un bilan de travail qui fait au niveau de chaque ministère, etc. C'est la Cour des comptes dit par exemple. Non, c'est audit pour le faire, audit général. Attendez, qui te m'explique? Je m'explique pour qu'à bien comprendre que ça là en réalité les responsabilités premières du système de contrôle non défaillant. Donc la Cour des comptes entre autres. Non, système de contrôle là pas seulement la Cour des comptes. Non, dis entre autres. Oui, entre autres. Il y a trois niveaux. Je m'explique. Premier niveau, son contrôle interne. Son contrôle a priori qui relevait des corps spécialisés de l'État. Par exemple, les contrôleurs financiers, les comptables publics. C'est-à-dire que pour un corps sorti dans l'État, il faut que toute vérification soit faite sous efficacité des dépenses qu'a faites là. Par contrôleur financier et par comptable public là. Si contrôle yo fait yo révélé que dépenses n'a pas de fait, c'est que la pas doit y mettre. Okay. Ça c'est premier le contrôle interne de l'administration. Qu'on y a ou gen deux autres contrôles qui externe à l'administration qui ont même a posteriori. La Cour des comptes, c'est le contrôle juridictionnel. C'est-à-dire que chaque année, la Cour des comptes faut respecter le principe que le budget que la décharge est annuelle. Autrement dit, chaque année, et Cour des comptes n'a pas manqué capacité pour ça. Faut Cour des comptes rapport fait la sous Petro-Caribe a te fait pour chaque ministère, chaque direction générale, pour tout projet net. Okay. Qui t'est analysé, t'es bon audit de performance qui t'est fait pour l'ensemble de l'administration de l'État. À ce moment-là, tout le monde qui t'est géré bien, tant qu'on a un cas pour les comptables d'un fonds Petro-Caribe pour professeur Victor Benoît, par exemple, il t'a recommandé pour que ça rejoigne des charges, que ce soit au Parlement, par le vote de la loi de règlement, qui t'a baillé tout ministre des charges qui méritait, sanctionner tout ministre qui pas mérité. De telle sorte que, et puis Cour des comptes lui-même, il t'a jugé compte de l'autre ordonnateur et comptable. Il t'a sanctionné, il t'a prononcé des arrêts de débat. Oui. Tout le monde qui s'est gagoté par année, oui. Il t'a parlé devant la justice, il t'a quitté le gouvernement, il t'a parlé, et il t'a metté l'autre monde plus sérieux, tout le monde qui était sérieux, qui était géré bien, il t'a parlé, il a même continué dans l'État. Tout le monde, ça, il t'a dehors, chaque année, oui. Et Parlement, t'as sanctionné lui-même, ça c'est le contrôle parlementaire, contrôle externe aussi, hein? T'as sanctionné le gouvernement par la loi de règlement. Et t'as dit, mais gouvernement, mais ministre qui était bien géré, avant, tout ceci aurait dû être fait, Valérie, avant le vote du budget. Ah oui. C'est-à-dire que, ou bon mon budget 2015-2016, avant de voter budget 2016-2017, tout ça me doula la fin. Oui. Où j'en vais ça fait? Ça pourquoi j'en fais? Moi, je me fais 10 ans la chambre d'un bon jour, ouais, ouais, on doit le règlement. Ouais, ouais. Donc, si le système ça a marché correctement, pas t'as bien scandale Petro-Caribe. Ou t'as quitté chaque année, contre qui moun qui bon gestionnaire, qui moun qui mauvais gestionnaire. Ouais. Évidemment. Ça, grave là, c'est que rien qui reconduit. Ouais. Évidemment, c'est tout ça, Mabdoula, concerné 5 infractions relevées de la Cour des comptes. Mm-hmm. Ou t'es capable de l'autre infraction de corruption, que ou t'as préféré, c'est capable de découvrir tout. Et qui t'a permis que y ait d'autres procès qui fait déjà. C'est parce que le système ça n'a pas fonctionné, il n'a pas bien huilé, qui fait que Barayo, tu as dit en créole, Jack sous Jack, a dit mon nous baillons monter négla, j'ai mal, il fait un an, il va dire, il fait 2 ans, il va dire, il fait 10 ans, il va dire, et puis, négla, regardez la passer dans tout échelon de l'administration publique, l'idée directeur général, il fait gagote, il monte secrétaire d'État, il fait gagote, il vit ministre, il fait gagote, il monte premier ministre, donc ça veut dire que parce que le système de contrôle des finances publiques n'est pas efficient, pas efficace, il est pratiquement inexistant. Ça, c'est au niveau de l'État, gestionnaire de l'État, ministre, secrétaire d'État, directeur général, comptable, etc., administrateur. On dit le, on va le mettre au travail. On dit qu'on contrat aussi, hein, mais qu'on y a la réception des travaux. Oui. Avant même que le dernier chèque la sorti, en général, il y a une équipe qui fait supervision, hein, oui. Qui présente un rapport. Oui. Qui dit tout bagage correct et puis il recommande que yo ba chèque là.
est-ce que c'est lui même qui responsable supervision quand il chita, l'abdomen, la boire café, non, etc. Non, il faut responsabilité. Il faut parce qu'il participe à l'exécution des travaux. Mm-hmm. Le superviseur participe à l'exécution des travaux parce que c'est lui qui contrôle au nom de l'État et qui fait des recommandations. Parce que pas oublier que nèg k'ap exécuté travail pour l'État, en principe, il suppose gagner des garanties d'exécution, c'est ce qu'on appelle la garantie de bonne exécution. Oui. On comme qui fait. Pour mettre comme ça, faut que superviseur, moun qui a fait supervision travaux, moun qui recevoir travail final là, yo tout ba rapport que tout bagaille était bien passé. Mm-hmm. Donc moun nan, soit qu'on y a les garanties ça au fait, moun nan pas bail. Garantie de bonne exécution hein? Et puis ou bal marché quand même, c'est que une faute. Mm-hmm. Moun ki bal il l'a fait pour sanctionner abus de fonction, comment? Ou bien moun travail la pas fait, l'État paye du cob. Et puis parce que moun ki était là pour faire travail ou pas de faire, faute de gestion. Mm-hmm. Dans tous les cas, l'État pas gagne droit perdant. Faut que yon gobli et faut que moun yo sanctionné. Dans tous les cas. Mm-hmm. Bravo M. Badistin, raison pour laquelle j'ai toujours voté contre le budget. Le Parlement a été aux différents détournements de fonds et des vols spectaculaires. Ils doivent aussi être sanctionnés comme les dilapidateurs. Message de Sylvain Benoît. Nous ça c'est même pas pour le Parlement. Je suis toujours honoré de ce qu'elle dit moi que c'est modèle et c'est j'aime de fonctionner le Parlement qui fait l'intéresser à le candidat ou député. Ça bon. Gros auditeur qui dit dans le dossier dermalogue là, est-ce que première dame n'a pas parlé le même problème avec Olivier Matéli parce qu'il était avoué dans une vidéo qu'il était influencé. Quelle bonne influence. Oui. Ouais ça son grand premier que les moi même quand m'attend que avec ça rend final là et que gon recours fait en cassation pour cassation vienne consacrer bagay ça comme norme parce qu'avant pas gain non et pour un premier arrêt du genre tu vois. Parce que ça qu'on fait avant la cour des comptes t'es qu'on uniquement garder non juge sur pièce la cour juge sur pièce ou pour le papier va aller, comprenez? Tandis que, et c'est le raisonnement, c'est-à-dire du conseiller instructeur dans cette affaire, la cour a pas qu'on garde, des fois, moun ka pot pièce ba ou a, li moins coupable que moun ka influencé là. Et vous sanctionner, n'est-ce pas? Comme bon exemple bien simple. Alors, il y a des cas, dans le temps passé, avec la députée, les besoins vont comme dans le ministère de coopération externe, etc. Mais le pas administrateur, il va comprendre. Il passe par la mairie de sa commune. Oui. Et puis, le magistrat prend un chèque là sur nos mairies et puis remettre lui. Oui, ça a fait souvent. Et puis, depuis. Il y a des députés qui ont cherché le magistrat, lui, il n'a pas le vin de presse. Oui. La pelle traversée de la rue, etc. Il prend comme là. Et puis, député magistrat a changé le chèque là-bas, il prend comme lui, magistrat va en goutte. Et puis, Léo dit, par exemple, audit, il y a un partenaire qui est justificatif. Et dès tout le monde de fond, laisse ça, Maïssa avait demain la tête. Maïssa dit moi-même, c'était député. Et puis, quoi qui était député à aller? Vous avec arrêt Olivier Matéli, il y a quoi? A dit, d'accord, le fond coup, non, mais la mort son coup. Pour dire que, ni monde qui a une pièce, qui est adoué, ni monde qui a influencé, aussi responsable. Donc, moi-même, dame, arrête ça, il me consacre comme norme, comme principe. Ou même s'il était consacré comme norme, comme principe. Olivier Matéli, arrêt a sorti. Olivier Matéli, il a toute activité, non? Non, arrêt, non, on nuance. Soit arrêt pour vivre, soit sorti. Et pour arrêt de bé. Si arrêt de bé, mon cher, les gars, même les gars, ils ont des arrêts. Pas non plus, mais ils ont arrêt de bé, sorti, mon dieu, par on est. Ils arrêtent de bé, pour le coup, en cassation, ils ne sont pas suspensifs. Commissaire, par on est, non, juge, par on est, ils ne vont pas faire suivi, non? Comment non? Ou mais ça son minimum bon juge connaît non? Bon ça bon Valérie. Ou mais son choix relé il a au choix le cas il a tout. Ou même des commissaires gouvernement pour le président moi qui dit que et puis on va lancer des substituts pas qu'à faire travail il aime du commissaire maintenant on dit ça pas qu'à faire commissaire pas qu'à il dit mais Badistin, je suis le capitaine. Je ne suis pas l'entraîneur. Je n'ai pas le choix des joueurs. Chaque sorgueur pour jouer. Pour jouer. Et ça qui me met à la donc, il y a ça, système dans ce qu'on se déjà lié. Il y a ça qui arrive, Olivier Matéli, pendant Julia.
après arrêt ça même si le provisoire. Arrêt ça, son arrêt, alors dit arrêt, son arrêt, tout le problème est un terme technique avant dire droit. Oui. Alors, il est arrêt avant dire droit, c'est-à-dire que ou dans le tribunal, gon question de forme qui posait, gon enquête qui pour compléter, gon instruction pour continuer et puis quoi dit pas prendre arrêt définitif là m'ordonner telle mesure faite. C'est les mesures fin faites pour bailler ou moins pour prendre arrêt définitif. Dans le cas Olivier, c'est un arrêt avant dire droit. Mais dans l'arrêt avant dire droit, donc un bon raisonnement qui fait sur lui. Pas tellement dans l'arrêt non, mais c'est plus dans le rapport du conseiller instructeur qui a donné lieu à cet arrêt. Et dans ce rapport, le conseiller instructeur a dit effectivement a développé une théorie disant que celui qui influence les dépenses est aussi responsable que celui qui exécute les dépenses. Voilà la logique de l'arrêt. Donc c'est même section Gabriel. On dit aussi responsable. Oui, bien sûr, même section. Mm-hmm. Parce que ou pas ouais. Donc d'un coup c'est maintenant aussi des scandales comme ça à la chambre non. À dire ce qu'on appelle en France les emplois fictifs. Les lavines la main dit où ou gen doit gagner 10 consultants, 5 consultants dans le bureau, monsieur sénateur, député, bon nom, nèg, mettez non. Et puis l'elle chèque, la dit pour chèque, bon, moi. Je chèque, moi. Ou, mais si m'a gardé, si m'a jugé sur pièce, moi, ouais, chèque ça, tel nom, mes gens, tel l'autre, tel nom, mes petites tantes, tel mental, tel Marie-André, etc. Mais tout comme ça, en réalité, t'es abouti dans compte tel sénateur, tel député. C'est même genre. C'est-à-dire que si le secrétaire d'État m'a influencé le choix de quelqu'un pour un projet, n'est-ce pas qu'on est, s'il a un appel d'offre, il n'y a pas aucune chance pour le passer. Si vous respectez les règles, il n'y a pas de plat. Si vous avez garantie de bonne exécution, il n'y a pas de gain. C'est moi qui favorise ça. Donc c'est normal, je vous dis que le projet a 10 millions, et puis je me dis, mon cher, c'est 7 millions en bas. Qu'on y a. Je ne peux pas supprimer les 7 millions et même les qui prennent droit, non qui fait ça. Non. Donc, il est aussi responsable. Maintenant, qui gens ou qui a vérifié ça? Dans plus façon. Il y a une façon qui a vérifié ça, c'est l'enrichissement illicite, qui c'est une meilleure façon pour vérifier si fonctionnaire de l'État n'a volé. C'est-à-dire que les là, vini là, les là vini ministre. Mais le passe dans le ciel, les vini ministre. Tout le monde te connaît. L'été gon passé, l'été gon histoire, l'été qu'on gagne l'argent la banque, ou qu'a gardé sous 5, 10 dernières années, combien de l'été qu'on gagne la banque, ou t'a gardé dans le DGI, combien de papier tête est fait sous nom, combien de caille, et pour garder ouais revenu augmenté de manière démesurée, et augmentation de revenu yo correspond à l'entrée dans le job là. C'est l'enrichissement ici, lui. À partir de ce moment, tout autant monde n'a pas établi que enrichissement licite. L'État va même besoin pour vendre, non? L'État besoin seulement garder à coup ULCC. Qui ça monde n'a pas déclaré le dégain? L'État prend prendre là. Combien moi vous faire au niveau du Parlement pendant ce dit Sénat, ça va passer dans le Sénat. Il y a plusieurs monde qui connaissent côté par exemple qui disent que yo c'est cousin un député, yo c'est cousine un député etc. Yo apprennent que yo gain peut-être plus que 2 ans, gain chèque cap sorti sous nom yo etc. Et puis bon pas maintenant il là-dedans etc. Bref, détournement de fonds. Oui. Et puis vol. Oui. Maintenant, bon me dire. Moi lis une lettre que moi un sénateur écrit parce que yo c'était non l'antide de bail ça yo. Côté lui confirmer que effectivement c'est Sénat qui autorisait que yo bay non au monde pour permettre que yo passe un cob pour gestion bureau la province comme c'est Sénat qui autorisait ça. Ça va grave non? C'est comment pas grave là? Comment dit pas grave là? Ça veut dire que non, question bonjour, c'est pas grave. Oh Valérie, ça veut dire que au-delà de Sénat ça, qu'est-ce que Sénat président Sénat responsabilité pas engagé. Ok. A dit gargote yo fè a. Au-delà des sénateurs, prend comme le détournel là. Mais le patap joué l'accès à comme ça pour le détournel, ne teste l'influence, ne teste le questeur ou le président qui te violé des règles. Vous comprenez? Qui fait au même yo fait. Yo fait, on abus de fonction. Vous comprenez? Sénateur, président sénat, questeur sénat, on abus de fonction. C'est-à-dire que yo permet un sénateur entier, font cob
qu'elle pas de droit à lui au regard de la loi, mais yo même yo utilisé fonction yo oui. pour permettre ça arriver. Ça relève abus de fonction. Vous comprenez? Comme ça, c'est la député, président, qu'est-ce que fait ça? Il ne pas participer dans la restitution, oui. Ni dans le pays amende, oui. Ni dans la prison, oui. Vous comprenez? Je n'appelle pas, vous comprenez? Ouais, ouais. Si le procès va faire, je dois faire. Donc, mais qui, Jean, loi sur lutte contre la corruption, arsenal juridique de la corruption, il a fait pour en sorte que l'État vienne en bagaille pour le monde propre seulement. Mm-hmm. Question qu'on est rentré dans l'État. Pauvre tant que Job, et puis il sortit riche tant que Christus là, joue à respecter loi ça yo, joue à respecter yo, ça finit. Mm-hmm. Ou quand on est venu pour un job dans l'état de courir, il peut. Parce que le responsable, c'est comme si le policier est derrière lui tout, 24 heures sur 24. Même mm-hmm. l'abdomen, il sortit, souffle la police là dedans, comme si il est minute après. Joue à respecter ça yo. Ouais. De telle sorte. Mais quand ça allait même par exemple. Mm-hmm. Un dîner à Vini dit fais chaque la promotion dans tel monde. Qui responsabilité, parce que je traite dossier ça, qui responsabilité, monde qui accepte de faire la son nom? Oh, les responsabilités, donc les complices, les mounes. Les connais pas de accepter ça. Les complices, qu'on y a, dans le procès, moun sa, si lui fait déclaration, que la roulette avec Rio, la loi dit, moun sa a contribué pour l'État sanctionné des pratiques inacceptables, la loi dit que juge qui a jugé est capable d'adoucir sanction moun sa. Moun sa bon peine qui moins de ben que ça le tagin toi. Même pour cas concret. Bon dossier qui éclaté là entre sénateur Kedler Augustin oui. et ancienne secrétaire li et Béoti Lucas. Béoti expliquait que sénateur a qu'on fait pour faire chèque sous nom mais pour le déposer et puis après ça pour cobler sous compte sénateur. Oui. Qui responsabilité Béoti dans ça? Les grandes responsabilités. Et son monde qui parle avec nous, la fondation, nous mais nous pas faire rapport sur cas là. Les grandes responsabilités. Les pas capable d'ignorer que son acte de corruption qu'il entraîne. Qu'elle entraîne un acte de corruption. Il va ignorer ça. Les grandes complicité dans acte de l'entraîne. On y a. Mais j'en ai fait la livre, c'est celle non, qui vous ça ça arrive tout. Ça dépend de qui j'ai des défenses, les montres. Vous comprenez? Ça dépend de qui type de défense que le gars. Parce que qui ça arrive? Un, il fait premier pas, il fait dénonciation que la loi protège comme un monde qui dénonce un acte de corruption qui méritait que il méritait que yo clément. C'est le mot. Mmh, c'est le mot qui utilise même pas la loi. C'est-à-dire que la loi qui a fait preuve, la justice peut faire preuve de clémence vis-à-vis de Mounza. Premièrement. Deuxièmement, s'il a établi que telle non situation, que ce n'est pas un choix volontaire qu'il a fait, sous pression. Qu'il a fait une pression à laquelle elle ne pouvait résister, mmh. il va y avoir une complicité. Parce que cette complicité a supposé un acte volontaire à la perpétration de l'infraction. Donc, au cas où est dame ça, ça dépend des gens qui défendent tête li, dans le cabinet d'instruction, dans la justice, etc. Ou capable ouais que Clémence Lia capable d'aller jusqu'à l'effacement de la peine, de la sanction en ce qui la concerne. Mais ça, c'est pratique dans la défense. Ouais. Question de l'auditeur, mais ça, c'est ancien ministre qui écrit là. Est-ce que l'on peut arguer que le fractionnement était nécessaire vu le terrain, vu la diversité des actions, etc. Je ne comprends pas qu'on puisse parler de corruption si tous les travaux ont été exécutés correctement, si tous les bénéficiaires des contrats ont payé leurs taxes comme il le faut, et si la communauté a correctement bénéficié des projets. En quoi l'État a-t-il été lésé? Ok, voilà. Ça, c'est l'ancien ministre. Ok, d'accord. Fractionnement, pour qui ça sont actes de corruption? C'est parce que les favoriser décideurs pour contourner la loi sur la passation de marché, les violer le principe fondamental de la libre concurrence. Mm-hmm. Et ça, c'est fondamental en matière de passation illégale du marché. Quand on fait le marché public, l'objectif premier, c'est garantir la libre concurrence à tous les acteurs. Sa ministre l'a dit, pas rien que dit, si m'te fait passation de marché,
que m'pa ta jwenn même travail yo avec même qualité yo pour un meilleur prix. Le binôme qualité prix n'est pas garanti quand je fais le fractionnement du marché dans le but, n'est-ce pas, de contourner les règles générales de la passation de marché. Donc c'est peut-être ça Mounsa ministre a mérité sanctionné parce qu'il fait fractionnement dans le but de contourner les règles établies. Le ministre est là pour exécuter la loi, pas pour les contourner. Monsieur Dumas, est-ce que vous pouvez demander à Maître Madistin pour moi de faire la différence entre lotissement de marché et fractionnement pour les auditeurs, s'il vous plaît? Très bien. Lotissement pas fractionnement. Lotissement pas fractionnement. Lotissement, c'est un coup. M'a fait exécution, par exemple, ma fond route. Port-au-Prince, Jérémy. Mais. Ben, il par l'eau. Par l'eau. Je prends ça. L'eau 1, l'eau 2. L'eau 1, l'eau 2, l'eau 3. Je fais appel d'offre là par l'eau. Tel film prend tel l'eau, tel autre film prend tel l'eau. C'est lotissement de marché. Ça, ça pas interdit lui-même. Vous comprenez? Fractionnement, c'est comme des projets à vous faire. Moi, des cobs là, je ne pas faire appel d'offre, multiplier de petits contrats pour le même projet. Fractionnement. Donc, passation illégale. Et le lotissement, CNMP est intervenu pour chaque lot. Tandis que dans le fractionnement, c'est contrat de gré à gré fait pour ne pas faire appel d'offres. Ok, ok, différence claire. Okay. Oui. Monsieur Numa, je porte une petite précision pour collègue là. Et ça, c'est soit un avocat ou bien un juge. Oui, oui, peut-être. Juge d'instruction a instruit. Il ne doit pas mettre mon nom en détention. C'est le juge qui décide. Okay. S'il veut arrêter, s'il ne veut pas arrêter, ça c'est. Ok. Ouais. Et Gonzalez qui dit, par exemple, dans le cas ferme, le sénateur La Tortue, par exemple, côté l'argent est prêté pour un bagage, il a fait un autre bagage. Ça, bon, ça va attendre même. Okay. C'est pas vrai, mon cher. L'argent pas prêté pour un bagage, il faut le bagage. C'est pas vrai. Mounio, pourquoi ça arrive à Haïti, Valérie? Tout le monde parle de ça ou pas qu'on aime. Tout le monde dit n'importe qui bagaille. Bon, moi, qui aime tout ça que je vais me conduire, ce n'est pas de ça, c'est mon avocat de CIA. C'est ça, t'es un monde qui a dit dans la radio. Il dit, t'es tout le monde de fond, parce que vous prêtez comme là, pour vous marquer, vous arrivez, aïe, maquille, la comptable, comme là. C'est pas vrai, non. Pas que ça, non. Qui ça que le bail ferme la torture aïe? Gagner un programme qu'a fait. Les programmes non, on a mart, on a pharma. Mais déjà, ça m'a dit que nos programmes sont multiplication des projets. Sont bons projets. Dans le programme, non, il y a un certain nombre de projets. Trois projets. Construction de supermarché au Gonaïve. Renforcement de marché à Pétionville. Construction dans nos marquettes et à Tchoucho. La dame Immacula Cantave, qui est la mère du sénateur La Tortue, s'est engagée dans un avant-contrat pour la construction de marché au Gonaïve. Alors ça, il est avant-contrat, en plus le monde n'est pas connu, le monde n'est pas connu. Ça veut dire que si je signe un contrat, Valérie, assorti d'une clause suspensive, c'est donc qu'on vient là, on dit Valérie, on connaît où c'est directeur radio. Et quand je me donne les campagnes, Platinum. Platinum FM, maison job comme journaliste. Et pour mon contrat, je me dis que je m'engage comme journaliste radio Platinum pour 5 ans, pour tant qu'on, à condition qu'on compte ben moi un diplôme en communication bien journaliste. Je dis contrat. Mais contrat pourquoi exécutoire tant que je n'ai pas de diplôme là-bas ou non? Ok. Parce que le contrat est assorti d'une clause suspensive. Contrat avait une prend exécution, une prend effet à partir du moment que je me satisfais à la clause suspensive. La dame Immacula, ça s'appelle un avant-contrat. Okay. L'avant-contrat ne fait pas naître les obligations réciproques entre les parties. Sauf si dans le contrat, il prévoit une clause de pénalité d'une fait de ne pas passer à la phase supérieure. Ce qui n'a pas été le cas dans l'avant-contrat de Mme Immacula Cantave. Immacula Cantave,
qui pral fon supermarché Gonaïve, li rive nou évaluation, mon ingénieur qui dit, yo te kon bay courant Gonaïve 18 heures de temps par jour. Jodi a c'est 4 heures de temps. Pour fon market fonctionner, pour entretien, etc. J'ai minimum 2 génératrices. Ou besoin 2 gros génératrices. Génératrice ta yo a coûté $10,000 américains par mois pour gaz, pour carburant, pour entretien. Li fait calcul, si pour le dépenser $10,000 américains pour carburant seulement, market la pas rentable. Donc à ce moment-là, li te gagne pour prendre une hypothèque en faveur de l'ONA pour te balcon là. Li décide de pas prendre hypothèque là encore. Li pas bail hypothèque là encore en faveur de l'ONA. Li écrit l'ONA dit m'a intéressé à projet encore. Fini, il n'y a aucun engagement, l'argent pas, il va toucher comme l'argent pas mettre à sa disposition. Mmh. Elle avait une clause suspensive. Elle l'a signé qu'on avait un contrat. À ce moment-là, projet a commencé à exécuter par l'autre partenaire qui touchait comme bio, qui commençait à exécuter projet. Mmh. Et puis, comme pour supermarché, pour l'autre partenaire, supermarché Gonaïve, l'a bloqué, quand il est notaire. Mmh. À ce moment-là, dans la relation de contact avec l'ONA, la ferme Yuri la tortue a accepté de prendre le montant pour mettre le développement ferme Yuri la tortue. Laisse ça. Combien cob goblaye? 70 millions de goudes. Combien cob la voix des associés dans l'état financier soumettre l'ONA pour montrer nos caprété comme ça? Combien cob lié? 60 millions de goudes. Donc ça veut dire que mais pas grand collusion là. Non. OK. C'est critère financier qui établit que j'ai droit de faire près ça parce que logiquement ça n'arrive aucun pays du monde. De côté pas gagne garanti du tout zéro, de côté c'est 5-10%, de côté c'est 30% maximum même dans l'ONA pour des prêts hypothécaires, pas des prêts placement non, c'est 30%. Moi même nous gagne plus que 60 millions sur 70. Donc l'ONA à ce moment-là décide, parce que qui s'est intéressé l'ONA, qui s'est doit légalement intéresser l'ONA, c'est la sécurité d'abord de son investissement. Qui ça est intéressé? 3%. Mais il y a plus de monde qui dénonce ça à tout le fait. Mon monde qui va comprendre. Oui, mais non. Et non, même monde qui comprend qu'a dénoncé. Non, pas vrai. Aucun monde comprend pas. Mais fin de pas parler. On finit de comprendre. Non, OK. Non, comme laisse pas normal d'avoir même. Non, on va vous tirer par là tout. Si me comprendre. Non, on va d'avoir même. On vous dit. Non, on va d'avoir avec vous. M'a dit lui. OK. Sou d'accord avec moi ou moi pas engagé vous dit c'est. Bon, garantie on d'accord avec. Ah ben allez. Breton comme la Meona. OK. 3%. Oui. Et puis qu'on y a un bail dans bon BRH. Qui lui même abonne 7%. Mm-hmm. Gardez fait ça. Gardez prendre l'argent ça là on a et puis me déposer dans BRH. Non. BRH. OK. Non. Non, négatif. Qui te m'explique? Parle trop long non parce que ça me dérange simple. Quand on est. Non, parce que c'est qui te m'explique et mal bon cas spécifique. L'argent l'ONA. Généralement qui ça au favel. L'argent l'ONA son comme yo quitté dans banque centrale qui a rapporté 0% d'intérêt. Zéro. Si on prend un cob, je dis, dans main employé, mettez la banque centrale. Après 10 ans, perd au moins la moitié de sa valeur. M'a fait fructifier l'argent, n'est-ce pas, des contributeurs de l'ONA. À un certain moment, l'ONA vient comprendre nécessité pour le faire fructifier ses avoirs. L'ONA a décidé la fait des placements ou des prêts. Tout ça, c'est réglementé en grande partie par la loi. Ça, c'est la première loi après le venir sous prêt hypothécaire en 1974 avec un décret de Jean-Claude Duvalier. La loi de 1967 pral permettre que les gens ont utilisé les fonds de l'ONA. À ce moment-là, l'ONA fait des choix pour l'être capable de faire fructifier ses avoirs. Attends, mon exemple bien simple que vous parlez en pile de lui. Je prends le cas, par exemple, du contrat ONA Auto Plaza, du groupe Boulos, que je connais très bien participer au départ dans l'évaluation du contrat. Contrat dit l'ONA, ou diminuer taux d'intérêt pour moi
dans prêt on placement mande au fait parallèlement ma bon commission en dollars qui pour permettre l'ONA gain accès à des revenus en monnaie forte. Le directeur général de l'ONA de l'époque, il pour que j'aime un type de contrat ça, il fait en réunion des directeurs de l'ONA à laquelle j'ai participé. Et puis monsieur présenter le projet. Vous participez à qui titre même? Comme avocat d'entreprise. Ok, d'accord. Comme avocat d'entreprise. Oui, oui. Donc, on expose, on explique, on présente trois scénarios. Chaque fois, commission a augmenté, point intérêt a diminué. Les directeurs de l'ONA ont choisi un taux de 3% en goud, 1,5 de commission en dollars. Oui. Oui, ça me dit. Ça me fini. Léon calcule les projections sous prêt. Il y aurait commission qui représentait 25% des bénéfices de l'entreprise que l'on a pu vérifier par audit. Dans le contrat, oui. Directeur choisit ça. En moins de 2 ans, l'entreprise a versé à l'ONA près de 1 600 000 dollars américains en termes de commission de 1,5%. Mais ils font un bon scandale dans la radio sous 3% en goutte 3 bas. Ils n'ont pas ouais. 1,5% dollars. En novembre, en novembre, l'ONA, de manière unilatérale, décide de doubler le taux d'intérêt en goutte et d'éliminer la commission en dollars. Vous en avez dit, quand on a fait l'étude financière récemment, en novembre, oui. Nous regarder, nous rendre compte, dans comme nous baillons là chaque mois, doubler taux d'intérêt en goutte là avec de dollars qui viennent et exploser. Là. Doubler taux d'intérêt en goutte là, puis vite, que 1,5% commission. Donc on me dit, dans l'ignorance, nous n'avons pas compris le bagaille. C'est donc où, au lieu que vous retirez l'argent, dans mes entreprises en faveur de l'ONA, ils ont retiré l'argent dans mes l'ONA, ils ont mis dans mes entreprises là. Donc, là, ils n'ont pas parlé de taux, ils n'ont pas lu le contrat, ils n'ont pas étudié le contrat, ils n'ont pas les facettes du contrat. Ils n'ont pas consacré les commissions en dollars. Et puis, ils n'ont pas remonté. Donc, au lieu que l'ONA ait quitté comme une banque centrale à 0% d'intérêt, qui va rapporter l'année, l'ONA a intérêt à faire des investissements. Bon, c'est ton parenthèse, on t'a pour vous ça, mais on nous fait même, mais oh. bien que Gampil m'a posé l'autre question. Okay. Pourquoi on est, par exemple, par rapport à la question de l'ONA, c'est ce que a dit Madame Immacula, et il n'est pas capable, comment t'as fait bénéficier de prêt pour l'âge? Non, trompé. Ah. Par exemple, dans le prêt hypothécaire, la loi fixe à 60 ans, limite d'âge pour le monde font prêt. Mais prêt hypothécaire, au regard de la loi, son prêt au monde fait pour le fond de caille, oui. Et c'est aux assurés de l'ONA, seulement l'ONA qui a fait. Oui. Mais quand je fais un placement dans une entreprise, l'entreprise n'a pas réduit à la vie de la personne physique. La loi n'a pas fixé limite d'âge pour les placements faits par l'ONA. Nous n'avons pas une règle. La loi, là, nous n'avons pas les de l'âge là. T'as un bon exemple. Moi-même, j'ai une entreprise qui signe un contrat avec l'ONA, que ma vocale. Moi qui signe un contrat mourir après quelques temps. Mais l'entreprise continue de payer régulièrement. La vie de l'entreprise n'est pas réduite à la vie de son président, de sa présidente. C'est ça que nous n'avons pas compris. Et c'est, vous comprenez? Donc, qui ça l'on a besoin? Ce n'est pas l'âge que l'on a besoin pour un placement. Il a besoin de deux critères, dit la loi. Un, il a besoin de garder si comme l'âge de sécurité. S'il n'est pas payé comme l'IA. Deux, est-ce que comme ça a rapporté un profit? Rendement. Deux éléments. Pas qu'il a fait l'âge, pas qu'il a critère d'âge, pas qu'il a fait ça. Non, pour un placement. La loi va dire ça. Ou pas qu'il a dit parole, la loi va dire. Ok. C'est pas des sujets ça te parle. On nous fait mais sur Petro Caribe. Ok, on nous fait. Mais, Mabjou, nous quittons le à longtemps. Mais tellement gagné. L'air de fini? Oh, longtemps. Non, nous finissons longtemps. Pas non, laissez encore. Même. Non, nous finissons longtemps. Mais nous finissons longtemps. Oui, c'est ça.
Bien ça tout. Mais qu'on y a tellement de monde qui a posé des questions, mon cher, et m'a bon menti, yo en pile, en pile, en pile, en pile, en pile. Mais nous prenons 30 minutes supplémentaires pour moi. On est pas tout le temps. Dommage. Qui l'a gagné sur facturation? Parce que. Je ministre et qui te répond à une question ça. Il dit pas qu'il y a un bagage qui fixe et barème ou bien qui fixe prix sur le marché. Comment on fait qu'à 10 sur facturation? Parce que de qui ça? Non, non, regarde ça. Ouais, ça, mon affaire, dit là. Moi, c'est ministre, non, raisonner en pile dans le veto. Eh, ok, d'accord. Ok. Oui, la défense est un droit sacré. Il peut se défendre. Mais qui t'aime dire? Pourquoi la ministre qu'on est? C'est que depuis le loi là, des juges qui ont appliqué ou qui ont interprété. Peut-être qu'une interprétation que le disait là, avocat qui a supporté, et peut-être qu'on joue au cours de cassation, qui a fait le vin en règle. Mais ça ne veut pas dire que je dis que vous n'avez pas appliqué parce que vous n'avez pas contrôlé. C'est pas vrai. Sur facturation, Valérie, si je prends par exemple, Exemple, m'a acheté ou l'eau papier hygiénique dans Port-au-Prince. Je prends 3, 4, 5 magasins. Yo tout dit moi ou l'eau papier hygiénique 50 goudes. Je garde tabac, Pétionville. Papier hygiénique 52 goudes, 53 goudes. Qui j'en prends un homme fait acheter pour l'État pour dire que je vais 70 goudes. Est-ce que vous même pour la maman vous l'achetez? C'est pas sous marché haïtien, il va pas d'après sous tartel. Tout magasin basse, c'est pas d'après 50 gouttes. Marché Pétionville, 52 gouttes. Chaque piché à 53 gouttes, c'est tabac. Et puis pour la 70 gouttes, sur facturation. Okay. C'est-à-dire que une fois que vous avez établi le service que m'acheter, le travail que m'a fait dans la pratique, dans le milieu, coût unitaire à vos temps, ou même, ou le bon prix qui exagérément plus haut qui pas justifiable ou fait surfacturation. C'est facile à établir et contrairement à sa ministre l'India. Ok. Ok. Maintenant, et vous savez qui dit, maintenant, dis-moi pour tes précisions tout à l'heure par rapport à la question entreprise là. Est-ce que le baral a pour Agritrans tout, puisque Agritrans c'est une entreprise, en général, c'est Jovenel Moïse ou Epegle? Non, c'est pas ça. Mon avis, il va lire rapport et puis là sous premier rapport coup de compte là. Agritrans, il y a plusieurs problèmes. Premier problème, parce que ce monde concerne les premières. Premier problème, c'est que l'homme font entreprise, mon objet social. Objet social, l'homme va mettre pour plaisanterie. Moi dis société ça, il est là pour faire telle activité. Chaque fois que société ça, dirigeant lui, sorti en dehors de l'objectif là, ils font l'autre bagarre, ils pas pour société au travail. Ils fait affaire paio, ils engagé responsabilité paio tant civile que pénale. Dans cas Agritrans par exemple, qui sont sociétés qui là pour des activités agricoles, lorsqu'ils ont contrat pour faire route ou si on contrat pour faire lampadaire, pour programme lampadaire ou pas non objectif société a moun qui engagé c'est responsable dirigeant société a et dans les contrats ça premièrement oui vous le principe ça compte pas pour pas etc. Oui premièrement oui et premier moun qui responsable question ça laisse ça c'est Jovenel Moïse qui est président Agritrans Naoum Dorville moi quoi était secrétaire il dit moi qu'elle n'a pas l'air oui vous gagnez comment il s'appelle encore qui était vice-président donc ces dirigeants de Agritrans ils ont engagé la société dans des activités en dehors de son objectif, de son objet. Pardon. À ce moment-là, c'est la responsabilité pénale et civile des dirigeants de la société qui se trouvent engagés. D'où Jovenel Moïse, Naoum Dorville et les autres. Dernière question. Dernière. Petro-Caribé. Oui. Est-ce que mettre ça même à distinguer garantit que à partir de contribution fondation j'éclairé à partir de contributions série de avocats à partir de contributions quantité de monde dans la société civile des monde qui dans politique pour ça ça a fin pas fait bon moi-même qui devait vous aller d'abord nous sommes qui optimistes
De nature. De nature. Mm. Donc moi-même, c'est ça, je souhaitais, que procès a fait. En même temps, pas naïf, non? Je suis très conscient que pour l'organisation du procès, il faut un certain nombre de choses. Et quand pile là derrière, on parle. Tant bon exemple bien simple. Jodi a, pas qu'on paye au monde, non? Qu'on amène devant le tribunal de droit commun un président de la République en exercice. C'est-à-dire qu'il y a des formalités à remplir en ce qui a trait à l'immunité du chef de l'État avant de mener devant le juge de loi commun. La présence de Jovenel Moïse au Palais national, son obstacle majeur pour l'organisation du procès pétro-caribéen. Ça me clair sur ça. Qu'on y a, procès va obliger fait tout de suite. Mais Valérie, Baldo Aga, grave là. L'avenir des prochaines élections se joue sur le procès pétro-caribéen. Alors qu'on va jamais dans une situation, Valérie, pour qu'on chef de l'État qui est en activité et qui est pénitentiaire national aussi près de lui, non? Pas trouver la tonne. C'est-à-dire que son aigle qui prête à tout pour empêcher qu'elle aille en prison. Il peut tout faire, même tuer. Il peut utiliser les fonds de l'État pour faire une élection gargote, pour l'assurer que les jeunes garantis, les mêmes monde qui va le remplacer, là qu'elle parle dans la prison. Donc, il y a un enjeu politique majeur sur l'organisation du procès pétro-caribé que on est en train de ignorer, pas naïf. Vous comprenez? Qui sa population qui énergie qu'a démontré pour que l'organisation de ce procès soit imposée à tout le monde, bah nier ça à tout comme capacité, même qu'on limite les tout, parce que la rue ne veut pas tout faire, parce que dans quatre procès pétro-caribéens, il y a des alliances politiques qui ont fait, des alliances au niveau national, des alliances au niveau international, parce que pétro-caribéens, Valérie, si le procès a fait, Jean doit faire, il est volé. Moi, garantis ça. Pour l'argent, il y a une caisse l'État. Moi, je fais ça, moi. Ça, la loi dit. Bien cap saisi. Gédé, mon nègre a dépensé. La loi dit c'est 4 fois la valeur pour restituer. Pour restituer le montant. 3 fois la valeur d'amende. C'est pour tout cob qui a goûté le pétro-caribé. Pour un procès sérieux, un juge sérieux, t'as arrivé à faire l'instruction correcte. Haïti t'a décollé. Et puis tout le monde t'a pris le son. Pour ne pas faire n'importe quoi. Eh bien. Il y a les forces qui s'opposent à l'organisation de ce procès. Qu'on ne doit pas rien à l'arrière à manifester. Mais qui là, qui a agi, qui puissant, et l'argent qui a dépensé dans mon exemple bien simple. Le juge d'instruction qui enquête sur le dossier. Est-ce qu'on connaît que le rencontré Laurent Lamotte, maintenant, on identifie comme principal responsable de Caribé à 5h du matin dans le bureau? Le bureau parle, puis on va juger là. Le bureau juge là. Ok. De 5h à 8h du matin pour l'auditionner en dehors des heures de bureau. Vous comprenez ça? Ça fait plus. Mais si on inculpé un pouvoir politique, économique, n'importe lequel, pour le prendre juge d'instruction, pour sauter la caille, pour venir chiter dans le bureau à 5h pour tendre les pieds à avion, le souffle attendre pour le voyager, l'assurer, le papa arrêter, le papa rien. Mais là, ça veut dire que prévenu ou inculpé de procès, c'est puissant, oui. Où qu'on est juste ça? Oui, c'est ça même, par contre, si c'est vrai, non? Mais dans le rapport fondation, dans plus l'information tellement venait nous parler de ça, que où qu'on est juste ça, il dit que vous n'avez pas d'informations, bah non, depuis la mort, sur devant le juge là, il a une construction, il a fait une construction. Oui, mais ça, on va pas supposé répéter, c'est au poil, regardez. Fait nous même dans la fondation, regardez. Voilà, déjà, non? D'où est formateur fondation. Ah, ok, d'accord. Moi, même pas. Okay. Formateur fondation. Même mes photos. Même mes photos. Ouais, mais nous parler de lui et au conditionnel, le rapport, c'est nous. Quoi, c'est des bagages qui méritent clarifier. Parce qu'au pape, qu'a fait procès à tout. Si vous avez des magistrats crédibles, vous décidez tout soupçon, vous dans notre radio, dans notre internet, dans notre réseau social, on a parlé, on a parlé où est figure. Il dit que le juge là prend 300 000 dollars pour recevoir la mort à tel. Même si c'est pas vrai, faut que ça clarifie. Si ça fait nous demander CSPJ, clarifier ça. Non, quoi nous dit ça. Oui, moi ça. Nous dit CSPJ, il faut qu'il clarifie la question ça. Parce que si le juge n'est pas crédible, instruction n'est pas crédible. Pour ça, il n'y a pas de café. On nous faut aimer, non.
nous va pas croiser droit non mais la faute est bien nous. Oui. Pour ça capable. Oui, Bette Baptiste. Et nous battons encore matin hein, puisque il est un très 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 dépassé. Merci à pile parce que vous êtes météo disponible pour nous. Bon, c'est que me défait public la plaisir d'autant que gagner une quantité de monde qui t'a souhaité ça et naturellement gagne pile de questions et yo vraiment que me baguette à poser mettre là. Prochaine fois. Oui, prochaine fois. Mais garantie que m'a bannou garantie non seulement à bien reprise émission hein, mais sur Platinum Live là et émission ça me galouer rouler en pile. Ça veut dire que pour bon plaisir pendant et tout week-end là, semaine prochaine m'a pour rouler, m'a annoncer nous. À qui le, ma peut gagner pour me rediffuser émission ça, capable de rediffuser en pile. Mais pas d'y s'investir en pile. Passons bonne journée, à bientôt.